Good morning, Alaïd, et ce soir aujourd'hui, le Nishmat, David Ben Fortuna Mazal Fritna, Lucien Batreina et Charlie Shlomo Ben Rachel. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah contactée de 5 minutes éternelles, nous étudions Masechet Nedarim Perikud, Mishnah Delet, Derech Talmidei Chachamim. Al-Chelo Aita Bito Yotz Ame Etzlo, Omer La Kol Nedarim Shanadart Betoch Beti, Arehen Mufarin. Vechena Baal, Al-Chelo Tikanes Nirushuto, Omer La. כל נדרים שנדרת עד שלא תיכנסי לרשותי הרן מופרין, ושתיכנסי לרשותו אינו יכול להפר. On continue à parler de la Nahara Ameurasa, la jeune fille qui est fiancée, que lorsqu'elle prononce un neder, il faut que son père et son fiancé ont la possibilité ensemble d'annuler le neder qu'elle a prononcé. Alors maintenant, la Mishnah va nous apprendre quelque chose de très important, que derrière Talmidei Chachamim, l'usage, la conduite, l'usage des Talmidei Chachamim, des gens Chachamim, qui connaissent la Torah, « Ad shelo haita bito yotza me'etzlo » tant que la femme ne sortait pas de... sa fille ne sortait pas, ne quittait pas son domicile, Omer là, il lui disait « Kol nedarim shenadart betoch beiti » tous les nedarim que tu as prononcés dans ma maison, « Aren mufarin » je les annule tous. « Vechen abal » et ensuite, le mari, Adchelo tikanes nirshuto, tant qu'avant que la fille ne rentre chez lui à la maison, il va la recevoir dehors, et il lui dit, Omer là, il lui dit, Kol nedarim shenadart, Adchelo tikanes nirshuto, tous les nedarim que tu as fait, tant que tu n'es pas arrivé chez moi à la maison, Aren Mufarim, ils sont tous annulés, parce que, chez Michel tikanes nirshuto, elle n'a rien à faire, parce que si jamais elle est déjà rentrée chez lui à la maison, c'est fini, il ne pourra plus annuler les nedarim. C'est très simple, mais il y a beaucoup de ridushim dans cette Mishnah. On reprend le cas qu'on a toujours d'Ina avec son père Yaakov et son fiancé Shimon. Ils ont prévu que d'ici une semaine, dimanche, lundi prochain, ils vont se marier. Ça veut dire quoi qu'ils vont se marier? Ils habitent à grande distance. Se marier, ça ne veut pas nécessairement dire de faire un grand mariage. Le mariage, c'est tout simplement, une fois qu'on a fiancé, une fois qu'on a fiancé la fille, donc, on se retrouve 6 mois, 8 mois, 1 an après, on veut se marier, on veut maintenant concrètement, ça y est, on va maintenant s'unir et se... Alors on apporte la fille, on réunit 10 personnes, on fait les Sheva Brachot, et on l'invite chez soi à la maison, et on commence à vivre ensemble. Et comme ça, on a fait les Nisouin. Maintenant attention, il va y avoir un changement de statut violent, parce que pour le moment la fille elle était fiancée, et depuis le moment où elle va rentrer chez lui à la maison, elle est devenue Nesoua. Et là, les conditions vont changer complètement. D'accord? Mais pour le moment, on va préciser, donc tant que j'ai pas encore fait la choupa, tant qu'on n'a pas encore fait les Sheva Brachot, c'est pas encore devenu ma femme, concrètement, alors elle est pour le moment Meoreset. Alors pour le moment, on a besoin de l'avis du père et du fiancé pour annuler ces Nedarim. La Mishnah va me dire, chez les Chachamim, vous savez que les Nedarim, on en a déjà parlé longuement, c'est très grave, et qu'il faut faire très attention de ne pas prononcer des Nedarim et des Shuvot et des serments, et ne pas s'interdire des choses, même quand c'est pour le bien, il faut éviter au maximum, parce que si Chas v'Shalom on transgresse, alors c'est grave, très grave, dans la mesure où la Torah, elle avait déjà 613 mitzvot, qu'on les accomplit tant bien que mal, pas toujours parfaitement, et tu te rajoutes d'autres mitzvot pour devenir, pour encore plus, irriter encore plus Hachem quand tu ne concrétises pas, alors c'est très grave. Donc du coup, les chachamim, les bons juifs, ne prononcent pas des nedarim et des juvot. D'accord? Et maintenant, selon ce principe, maintenant, on sait très bien que malgré tout, l'ambiance, elle est de jurer à travers notre époque. À leur époque, l'usage aussi, il était de prononcer des nedarim à tout va, de s'interdire des choses. Donc du coup, la fille, dans le jour solennel, elle avait quitté la maison de son père pour partir ensuite, aller chez son mari, avant de franchir le seuil de la porte, il lui dit « Ma fille, tous les nedarim que tu as fait, je les annule. » Là, il y a un très grand tridouche, même si le père, il n'a jamais entendu le neder. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment où le père, il entend le neder, il a la journée uniquement pour l'annuler. Mais si le père, il n'entend pas le neder, la Mishnah nous apprend ici, c'est en réalité une discussion. Comme ça, c'est rapporté dans le Barthénora. Apparemment, dans le Shulchan Aruch, si ça vous intéresse, dans Yoredé Aresh Lamedalet, il rapporte 3 avis sur la question. On va retenir juste 2 avis, c'est plus facile. Et qu'il y en a qui pensent que je dois nécessairement apprendre, entendre le Neder. Elle a fait le Neder de ne pas boire du coca, alors je pourrais annuler. Mais si jamais tous les Nederim que tu as fait, je les annule. Et en fait, il y a 3 semaines, elle a prononcé le Neder qu'elle ne va pas boire de coca. Après, elle a prononcé le Neder qu'elle ne va pas manger de chocolat. Et après, maintenant, je ne sais rien de tout ça. Je peux maintenant en un jour dire, allez, j'annule tout. Pchut. Et j'efface tous les nedarim qu'elle a fait, parce que je les annule de sorte. Et certains pensent qu'il faut nécessairement les entendre. Et qu'en réalité, on fait un jeu pour lui dire, j'annule tous les nedarim, pour que la fille, elle va se dire, peut-être que je lui dis, alors,
Oui, papa, j'ai fait le néder de ne pas boire du coca ou ne pas manger de chocolat. D'accord? Ça, c'est pour le préciser davantage. Qu'est-ce que ça veut dire que le père, il annule? En tout cas, donc avant de quitter son domicile, le père lui dit, allez, je t'annule tous les nédarim avant que tu te maries, parce qu'une fois que tu seras passé dans la propriété du mari, je pourrai plus annuler les nédarim. Et on va comprendre que c'est même beaucoup plus compliqué, même. Et ensuite, le mari, le fiancé, lorsqu'elle arrive chez elle, avant qu'il fasse la choupa, avant qu'il la fasse rentrer chez lui, il va la voir et il lui dit, maintenant, moi aussi, j'annule tous les nédarim que tu as déjà prononcés. Parce que si, par malheur, il s'est souvenu ça, mais qu'après coup, une fois qu'ils ont fait la belle choupa, ils ont chanté et dansé, il arrive chez lui, il ferme la porte de la maison, et puis, il dit, oh, oh, j'annule tous les nédarim, c'est trop tard. Parce que là, il faut bien comprendre. « Arus mefer bakodmin, ve'en abaal mefer bakodmin. » Soit, je me marie avec une fille, et je fais choupa, et je fais tout le... Et après, ça devient ma femme. J'ai plus la possibilité d'annuler les nédarim anciens. Je peux annuler les nédarim que lorsqu'elle vit chez moi. Si maintenant, je vais apprendre, ma femme, elle va me dévoiler qu'en réalité, il y a 24 ans, avant qu'on se marie, 23 ans, avant qu'on se marie, en fait, elle avait fait le néder de ne plus manger du chocolat. Et maintenant, je l'apprends aujourd'hui, je ne peux pas annuler son néder. Parce que le mari, il peut annuler que le nédarim que la femme a prononcé lorsqu'elle était sous sa tutelle. Pas les nédarim, en abal, mais faire bekodmin, le mari ne peut pas annuler les nédarim qui datent d'antan. Tandis que le fiancé, c'est là le grand ridouche. Tant qu'elle est juste fiancée, le père, il peut bien évidemment annuler tous les nédarim de sa fille, parce que sa fille, c'est sa fille, jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Et bien, au même titre aussi, le mari, le fiancé, il peut annuler les nédarim que la fille, elle a prononcé, même avant de se fiancer. Soit, la fille, lorsqu'elle avait, à son anniversaire des 12 ans, elle a fait le néder de ne pas boire de coca pendant 6 mois. 2 mois après, elle se fiance, et le père apprend un beau matin qu'elle a prononcé le néder de pas boire du coca, il annule sa part, il vient vite me voir, et je vais annuler moi aussi ma part, il n'y a pas de problème, parce que le fiancé, il peut annuler les nédarim qui datent d'antan. Tandis qu'une fois qu'elle s'est mariée avec moi, que maintenant on a fait la choupa, ça y est, elle vit chez moi, c'est fini, je ne peux plus annuler les nédarim qui datent de l'époque, je ne peux annuler que les nédarim qu'elle a prononcé aujourd'hui. Si ma femme, elle me dévoile quand elle était il y a 14 ans, elle a prononcé un néder de ne pas boire du coca, et que finalement ça devient trop difficile, et je l'apprends aujourd'hui, j'annule le néder. Mais si, j'apprends qu'elle avait prononcé néder avant le fiançailles, avant le mariage, alors je ne pourrais plus annuler le néder. D'accord, c'est clair? C'est le principe. Donc maintenant, c'est pour ça que l'usage, il était donc que le père, lorsqu'elle quitte la maison, le père, il annule tous les nédarim, avant d'entrer dans la maison du fiancé, le fiancé, va, il lui dit, moi écoute, ma chère fiancée, pour les 5 dernières minutes du fiançailles, parce qu'après tu deviens ma femme, j'annule tous les nédarim que tu as prononcés, et c'est bon, il a réussi à tout annuler. Si jamais il a fait rentrer chez lui, c'est fini pour appeler le nédarim qui date de l'époque. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, kol tov, v'selah.